Elle s'est endormie. Enfin, je crois. Elle a les yeux fermés, elle a arrêté de trembler. J'aurais bien envie de l'étrangler, si elle me faisait pas autant de peine. Tu lui en veux ? Pourquoi ? Quand tu m'as demandé d'explorer sa puce comportementale, j'en ai eu ma claque de tes conneries. Judy, j'avais pas d'autre... Je sais. C'est bon. Alors, je piche pas pourquoi... Tu vas vite le savoir. Je vais te montrer les vertus que j'ai trouvées. Ok. Fais voir. Une seconde, faut que je configure les paramètres. On va bientôt savoir si la poupée a vraiment les fusibles grillés. Allez, V. Je suis le premier à l'admettre. Ça se présente mal. Oh, si c'est pas mignon. Salut. Comment tu te sens? Il te faut quelque chose? Je viens pas t'emmerder. Juste discuter. Assieds-toi. Vas-y. Au revoir. Les données étaient salement endommagées. J'ai pas pu les éditer tant que ça. Je suis déjà content que t'aies pu les récupérer. Il faut attendre que ça charge. La qualité est pas terrible, mais j'ai fait au mieux. Je dois me concentrer sur quoi? Sur toute la tech que je vois, les dispositifs disobsidés là où je... Sur toute la tech que je... Jette un coup d'œil si tu veux. Je vois pas son visage. Normalement, ce genre de cryptage devrait être super facile à casser. Mais pas cette fois. Je sais pas qui c'est, mais... C'est pas une netrunner du dimanche. Ouais, ou bien elle reçoit l'aide de quelqu'un. Tout à fait. Tout à fait que je vois, les dispositifs de vis d'isoxydé là où je... Il me semble avoir déjà vu ça. C'est quoi? Que je vois, les dispositifs des VV. De sécurité. Ça parle, ces trucs? Pas assez pour savoir ce qu'ils signifient. Pour tout le reste. Mais je sais qui pourrait s'en servir. Qui ça? Peut-être les Voodoo Boys. Est-ce que l'intuition? Je suis pas sûr à 100%. La bande de Netrunners flippants? Ils font en sorte d'être quasi impossible à trouver. J'aurais même pas par où commencer. Je m'occupe pas de ces messages? Non. Ça, c'est plus facile. C'est peut-être pas important. Possible. Mais ils viennent tous de Pacifica. Au moins, ça réduit notre zone de recherche. Et maintenant? Je crois que je suis Qu'est-ce bon pour aller faire un tour à Pacifica. Bon, je crois qu'on a tout ce qu'il nous faut. Qu'est-ce que t'en dis? On dirait qu'Evelyn nous avait pas dit toute la vérité. Non, tu crois? Si j'avais su dans quoi elle s'était fourrée... Oh, je lui en veux! Son boulot, c'était juste d'enregistrer une vertu. C'est à peine croyable qu'elle ait réussi à planifier un casse de A à Z. Et à faucher la biopuce, juste sous le nez de son boss. C'est là que t'es entré en scène, qu'elle t'a engagé. Et
qu'elle s'est mise dans ce merdier. Et toi aussi. Il y a un autre enregistrement. Tu veux le voir? Ouais, pourquoi pas. Plus rien peut me surprendre maintenant. Oui, tenez-vous-en. Trop intelligent. Un paca, ouais. Et puis, il sait le chanson pour nous payer, oui, non plus. Nous ne pouvons pas risquer là. Elle parle dans quelle langue? Je sais pas. En créole haïtien. C'est des Wild Boys. Attends, je me demande si j'ai pas un traducteur automatique. En attendant, essaie de te caler sur la fréquence du téléphone. Check ce qu'on dit de l'autre côté. C'est bon, juste une petite seconde. Faut qu'on sache ce qu'ils disent. Ça pourrait être important. Super, je viens de trouver le logiciel de traduction automatique. Il doit être compatible avec ton système. Je te l'installe. Et puis, c'est le chanson. C'est bon, Judy, j'ai tout. Très bien. Je te déconne. Si on finit que tu es tout sans Kati, on peut bon travailler. Je pige pas. C'est quoi le rapport avec Johnny Silverhand? Il est mort, genre. Ça fait une éternité. V, tu sais ce qui se passe? La biopuce qu'on a volée. L'engramme de Silverhand est gravé dessus. L'engramme? Sa psyché numérisée. Son construct de personnalité. Tu peux me laisser une minute? Je dois réfléchir à un truc. Dans ma tête. Ouais, pas de problème. Tu sais qui sont ces gens? Qui est la femme? Et comment on peut la retrouver? Putain, V. Je te signale que j'étais mort pendant 50 ans. Alors désolé de pas pouvoir t'apporter toutes les réponses sur un plateau chromé dès que tu claques des doigts. Ces gens, qu'est-ce qu'ils peuvent bien vouloir à Alt? Comment tu veux que je le sache? T'en as vraiment aucune idée? D'une manière ou d'une autre, tout nous ramène à cette Netrunner. Alors ça doit être notre priorité de la retrouver. Si elle en sait autant que je l'imagine sur la puce, alors elle pourra nous aider. Tu disais pas que rien pourrait nous aider? Putain, trouve-nous juste cette joujou câblée, ok? Attends, t'es en train de me dire que tu sais comment contacter les Voodoo Boys? Écoute, faut que je file. Je vais me renseigner, passer des coups de fil. Alors bonne chance. J'espère que t'en auras pas besoin. Merci, Judy. Non, V. Merci à toi. T'es quelqu'un de bien. Evelyn ne savait pas jauger les gens, voire au-delà des apparences. Si elle t'avait connu un peu mieux, alors... Qui sait? Les choses auraient peut-être tourné différemment.